Bonjour mes petits camarades. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juillet 2020. Et comme tous les vendredis, je suis parti avec ma petite fille Alexandra. Aujourd'hui, dans un endroit un peu particulier, vous allez découvrir avec nous. En fait, selon la légende, il y a une dame, un fantôme. Ça s'appelle le fantôme de la fileuse. Donc, quand on est bien avec, ça va. Et quand elle ne nous aime pas, elle nous balance des pierres. Donc, moi, elle me connaît, puisque j'ai déjà mangé avec elle, la fileuse. Mais elle ne connaît pas ma petite Alexandra. Par contre, c'est sûr que si elle lui balance des pierres, papy ne va pas être content. Hein. C'est qui va avoir un trauma crânien? C'est moi. Donc voilà, on est parti pour une bonne marche. Là, on a garé notre véhicule à Léo-Trivière. Et puis, on est en train de grimper. C'est du 12%, Alexandra, t'as vu? Ouais. Maintenant que tu sais lire les panneaux. Mais je sais les lire depuis longtemps. T'as raison de préciser. Depuis le permis vélo. Ouais. Ah, bah dis donc, oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah, c'est vrai que t'es une vieille maintenant. Hein. 18 ans et demi, t'es une vieille et puis c'est tout. Et puis voilà, donc on va monter là-haut. Je vais présenter ma petite fille Alexandra à la fileuse. En principe, tu ne devrais pas prendre de pierre, Alexandra, ça devrait bien se passer. J'aurais su, j'aurais pris un casque. Okay. Et puis, donc, si tu n'es pas trop esquinté, si elle ne t'envoie pas à l'hôpital, la fileuse, normalement, on ira manger à midi avant de se retaper une autre marche cet après-midi. Hein ? Voilà, donc, la journée... Avec c'est... toujours des côtes, bien sûr. Avec ? Avec toujours des côtes. Ah, tout le temps ? Ben, tu sais bien que le plat... Ah, quand il dit que c'est du plat, c'est de la côte. Hein. Tu sais bien que le plat, papy n'aime pas ça, il a l'impression de ne pas marcher. Ouais. Donc, bon, voilà. On a mis les bonnes chaussures, on va éviter les tiques, hein, parce qu'ils t'aiment bien, visiblement. Ben ouais, visiblement. Alors, bon, en principe, là, on a quand même un peu de voie goudronnée maintenant. Avant, c'était de la pierre, ici, là. Maintenant, c'est goudronné. Après, dans les bois, pour aller jusqu'à la fileuse, là, ça va être comme ça. Alors, je suis content, en même temps, ben, je remercie Alexandra, ma petite fille, et puis sa maman, parce qu'ils m'ont acheté deux beaux bâtons de marche. Celui-là, c'est pas à moi, c'est Alexandra, on va le cacher. J'ai deux beaux bâtons, ça va très bien avec mon nom d'ailleurs, qui sont télescopiques. J'en ai pris qu'un, hein, mais c'est très bien, c'est hyper léger, c'est beaucoup mieux que ma canne de pèlerin. Voilà. Bon, les petits camarades, je vous laisse parce qu'on a encore de la route à faire. Hein. Au revoir, à tout à l'heure. Ah, fais voir, approche. Ah oui, c'est beau. Hein. Alors, t'as eu un pavé sur la gueule? Non, pas encore. Non, pas encore. Ça va pas tarder. Si c'est pas un pavé, c'est des tiques. Ah non, pas des tiques. Tu sais bien qu'on vit dangereusement avec papy. Hein. Bah oui. Bon. À chaque fois que je me balade, je suis à deux doigts de me prendre des maladies avec. Quelle maladie? La maladie de, oui, de Lyme. Mais il paraît que ça fait des atteintes neurologiques. Hein. Ah ben, regarde-moi ça. C'est pas beau ça? On dirait que t'as fait ça toute ta vie, Alexandra. J'aime bien faire ça avec les bâtons. Alors, ma chère Alexandra, ton papy, tu vas le filmer après. Hein. Ouais. Lui, il est assis sur la chaise de la fileuse. Mais comme il est copain avec, il a déjà mangé là. Hein. Hein, et la fileuse, elle s'en rappelle, on avait fait... du cornet de bif, du singe, avec des petits pois. Et puis elle m'a fait un petit éclair là dans la grotte qui est là-bas, là, pour me dire bonjour, certainement. Je l'ai vu qu'au montage. Aujourd'hui, voilà, je t'amène ma petite Alexandra, qui elle est comme son papy, et elle n'a pas peur des fantômes. Donc tu ne nous fais absolument pas peur. On vient en ami, ne nous balance pas des pierres sur la gueule. Entre filles, je pense qu'on peut se comprendre. Voilà. Je pense que ça ne fait pas très plaisir d'avoir une pierre dans la tronche. Trop ma crânion. Bon voilà, pour l'instant t'as pas pris de pierre. Elle a l'air de t'accepter. Ça fait quand même 2 minutes et demie que t'es là. T'as rien pris? Non. Regarde en haut des fois. Pas pour l'instant. Ah voilà. Donc il n'y a plus rien, il se passe plus rien là, depuis qu'il y a eu l'éclair là, sur mon film. Il y a déjà un moment hein, que j'avais fait ce bout de film là. Il me semble que c'était d'ailleurs en hiver, dans les mois de février, mars. Il y a... Non, il y a 2 ans déjà. Donc voilà, c'est un endroit qui rassure pas toujours les gens. Nous, on est des warriors, nous. Hein. Ouais. On est des beaux bâtons et ouais. Des warriors, des combattants. On n'a peur de rien et surtout pas des fantômes, vu que pour nous, ils sont pas méchants. Hein. Ouais. Tu es d'accord? Oui. Bon, on continue, ça grimpe encore après. Que pour l'instant, j'ai rien eu sur la tronche. Il y a des belles toiles d'araignée. Et c'est là que la caméra, il y a un bout de pierre qui se pète, qui pète la caméra. Bah alors? T'as trouvé une nouvelle maison? C'est, oui, je suis invité dans le château de la fileuse, à Larchamps. Elle m'a dit, bon, ben,
je vais te réduire en lilliputien. Hein. Donc, d'un mètre 76 que je fais, tu feras 1m16, qu'elle m'a dit. Mais tu pourras rentrer chez moi. Donc, c'est ma nouvelle maison dans les bois. Merci, madame la fileuse. T'as pas envoyé de cailloux sur la tête de ma petite fille. Pour l'instant. Par contre, moi, t'as failli me faire chuter et j'ai failli emmener Alexandra dans ma chute. Heureusement que t'étais là. Elle a failli faire deux pierres deux coups. Elle m'en veut maintenant, je sais pas pourquoi. T'as vu, à toi, t'as rien fait, moi, elle m'a poussé. Oh, c'est peut-être à ta poussée, elle a prévu que t'allais me prendre et elle a cru que j'allais tomber avec. Oui, c'est ça. Peut-être. Ah oui, elle a voulu nous tuer tous les deux. Mais en même temps. Elle avait pas... elle a voulu m'assommer. Là. Elle avait pas le time. Tous les deux. Bon, ben, je regrette d'être aussi petit. Hein. C'est marrant parce que t'as jamais été aussi grande, toi. Ouais. C'est terrible. Hein. Regarde, tu vois là-bas. Là, ce mois, tu la vois, là, ce mois, là. Ouais. Va pas te casser la gueule parce que des fois, la dame peut pousser, t'as vu. Elle peut pousser la madame. Hein. Donc on a l'asmois en contrebas là. On est donc au point culminant du château, de l'ancien château de Linchamp. C'est chouette, hein? Nous reprenons des forces avant cette marche de cet après-midi. Mes petits camarades, on est toujours le même jour. On est donc le 24 juillet 2020. On a mangé, on a bien mangé Alexandra là. Hein. Oui. Bon, ça va. Donc on va essayer, je dis bien, de monter le chemin Saint-Louis, qui est assez raide. Donc c'est le deuxième circuit de la journée. On tente ça après le steak frites, hein. Bah, le ventre plein. Le ventre plein, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on est parti. Donc c'est un tout petit chemin escarpé, voilà. Première étape, hein, les petits camarades, on est arrivé là. Donc sur ce chemin Saint-Louis qui monte, hein, qui monte, hein, c'est quelque chose. Donc première étape, on est là, alors... C'est certainement le Saint-Louis, là, l'ange là-bas. Il y a Jésus qui porte sa croix, il y a une rose, il y a une petite niche qui comporte tout ça. Donc on est bien sur le chemin Saint-Louis et je peux vous dire que c'est pas les routes du paradis, hein, Alexandra. Ouais. Ça grimpe, hein. Tu les sens les frites là? Ouais. Ah bon, moi aussi.